Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Élise. Élise, vous êtes connue au niveau national maintenant. Ah bah oui. Vous êtes la coiffeuse effectivement de Ève. Comment effectivement est venu ce moment particulier où Ève vous a demandé de lui couper ses cheveux? Alors tu sais, au début j'étais installée, donc c'était l'une de mes premières clientes. Oui. Et donc du coup elle avait les cheveux longs et elle arrivait en disant je veux tout couper. Ouais. Ah bon? Donc du coup, oui, elle avait envie de ce changement, donc on a coupé, donc ce qui lui convenait très bien. Et après, elle a voulu laisser pousser un petit peu. Et le fait de... Donc quand elle est revenue en disant « je veux me présenter à Miss » et qu'on doit avoir la même coiffure du début jusqu'à la fin, j'ai dit « Ève, mais c'est court, que tu dois faire ?» Au niveau de son visage, ça illumine beaucoup plus, donc du coup. Et je pense qu'à ce moment-là, elle n'a pas pris vraiment conscience de tout ça. Elle m'a laissé faire et donc du coup on est reparti avec les cheveux courts. Est-ce que vous avez de votre côté vu effectivement ce que cela pouvait représenter sur le visage d'elle? Bah déjà beaucoup plus l'illuminer le visage, ou voir beaucoup plus ses yeux et du coup échanger. Et voilà ce changement et puis par rapport à sa forme du visage, c'est ça qui était... Vous trouvez effectivement qu'aujourd'hui les femmes peuvent s'assumer en ayant les cheveux courts? Oui, tout à fait. Ils peuvent s'assumer avec les cheveux courts. Et énormément de gens dans la rue aujourd'hui ont les cheveux courts et qui restent féminines. Donc dès à présent, vous êtes la coiffeuse du Nord aux cheveux courts qui fait effectivement des représentations et des remises en, pas en valeur, mais pratiquement d'une femme. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne soirée.